al final. Son solo sueños que repiten y que voy buscando. Son los sueños que no volverán. Solo dime cuándo despertar. Véronica, j'aimerais que vous me rappeliez. Je ne vous juge pas pour ce qui s'est passé. Je veux juste vous aider. Au revoir. Elias Garcès ? Oui, qui êtes-vous ? Espèce de sale traître ! Voici enfin l'ordure qui couche avec ma femme. Où l'avez-vous connue ? Ne jouez pas à l'idiot, vous allez m'énerver encore plus ! Où avez-vous rencontré Véronica ? Véronica ? Véronica Garrido, espèce de traître ! La femme avec qui vous couchez, vous pensiez quoi, hein ? Que son idiot de mari ne verrait rien ? Alors dites-moi où vous l'avez rencontré ! Véronica, je... Vous avez passé 2 jours à batifoler avec ma femme, et vous allez dire que c'est faux ? Avouez-le, bordel, avouez-le ! Véronica n'est pas ma maîtresse ! Ah non, bien sûr. Et moi, je suis pas son mari. Je suis son médecin. Cet endroit est un centre de désintoxication. Je crois que nous avons besoin d'avoir une conversation. Asseyez-vous. Cécilia. Est-ce que vous auriez le numéro d'une compagnie de taxi à me donner ? Mais où est votre voiture ? Ma voiture ? Elle est à l'hôtel. Oh, Cécilia. Madame Véronica, prenez ce mouchoir. Merci. Est-ce que ça va ? Vous êtes malade ? Ça pouvait être le cas. J'étais en train de préparer une bonne tisane de camomille pour mon estomac. Mais c'est vous qui allez la boire. Ça vous fera du bien. C'est une vraie tragédie. Une catastrophe. Qu'est-ce que je vais faire, Cécilia ? Qu'est-ce que je vais faire ? Pourriez-vous m'aider à préparer mes bagages ? Enfin, juste... juste le nécessaire, parce que ce dressing ressemble à une vraie boutique. Vous partez ? Oui. C'est fini, Cécilia, je dois m'en aller. Vous m'aiderez ? Oui, oui, madame, je vous aiderai. Mais je vais déjà aller chercher le numéro de taxi que vous me demandiez. Non, non, Cécilia. Finalement, je ne vais pas appeler tout de suite. Je vais d'abord prendre l'air et... merci beaucoup pour la tisane. Société Esquivel, bureau du vice-président. Oui, Rosanna, c'est Antonio. Où est Philippe ? Monsieur Antonio, eh bien, je l'ignore. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a demandé d'annuler tous ses rendez-vous, car il allait être absent. Et pourquoi cela ? Je n'en ai aucune idée, monsieur. Avez-vous appelé son portable ? Bien entendu, j'ai appelé son portable, mais aucune réponse. Ah. Je vois, monsieur Antonio, j'en suis navré. Souhaitez-vous lui laisser un message ? Je lui transmettrai si jamais il appelle. Oui. Dites-lui que je suis dans le hall de l'hôtel, à attendre l'ambassadeur qui devrait arriver d'un instant à l'autre, et que je souhaiterais qu'il me rejoigne sur le champ. Oui, monsieur, je lui dirai. T'as un rendez-vous galant ou quoi ? À
Allez, quand est-ce que tu vas te décider à te détendre et à avoir un peu d'humour? Le jour où tu comprendras que ton humour n'est pas exactement le même que le mien. J'attends l'ambassadeur Rocha qui ne devrait pas tarder. Et qui est donc cet homme qui arrive à te faire descendre de ton piédestal pour venir l'accueillir? Cela ne m'étonne pas vraiment que tu ne saches pas qui est l'ambassadeur. Retourne à ta boutique. Va aider le pauvre touriste qui cherche désespérément du dentifrice en rayon et qui n'en trouve pas. Tu vois qu'on a le même sens de l'humour tous les deux. Elle était bonne, celle-là. Alors à quelle heure je dois être là pour la réception? Tu sais quoi? Tu n'as vraiment pas besoin d'être là. D'ailleurs, je suis sûr que tu as beaucoup d'autres choses importantes à faire. Hein, fiston? Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Monsieur Esquivel, comment allez-vous? Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour notre chaîne d'hôtel et vos investisseurs espagnols. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir collaborer avec les forces économiques de cette île, en particulier avec des hommes d'affaires comme vous qui font notre fierté. Je vous remercie. Mais je ne vois pas Felipe. Il va nous rejoindre très vite, il a été retenu, un imprévu. Je vous propose d'aller nous désaltérer en attendant sa venue. Avec grand plaisir. Alors dites-moi, comment se porte votre société? Ma foi, pour le mieux. Qui d'autre logera à cet étage? Le sénateur Martinez sera dans la 1225. Et le sénateur Bernardo Rugueles dans la chambre 1224. Et l'autre suite pour monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur a bien la suite présidentielle? Exactement comme vous l'avez demandé, madame. Il est important que chaque personne accédant à cet étage ait une autorisation. Bien sûr, ce sera le cas, n'ayez crainte. Bienvenue à vous. Les bagages vont vous être montés dans quelques instants. Je vous en prie. Monsieur Manuel? Le président, il est où? Mais enfin, ce n'est pas le président, c'est l'ambassadeur de l'île. Marcos Rocha. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Il y a une réception prévue en son honneur ce soir à l'hôtel. Vous avez terminé? Oui, presque, il me reste à mettre les serviettes. Excusez-moi, une dernière question. Est-ce que l'ambassadeur Rocha a quelque chose à voir avec l'école Rocha? Je crois que c'est sa famille qui a fondé l'école, en effet. J'ai du travail, merci. L'addiction de Véronica est l'une des plus difficiles à traiter. Parce que l'administration des tranquillisants et des antidouleurs ne produit pas vraiment d'effets spectaculairement visibles. Comment est-il possible que je n'ai rien vu? Rien du tout. Mais vous avez quand même suspecté quelque chose. Je crois que n'importe qui à ma place aurait suspecté la même chose. Comprenez-moi bien, je ne vous juge pas. Depuis quand prend-elle? Elle n'a pas été très claire à ce sujet. Cela fait 5 mois qu'elle vient dans ce centre, et elle venait assez souvent, à fréquence soutenue. Mais ça faisait bien 1 mois et demi qu'elle n'était pas revenue. Et pourquoi? Je l'ignore. C'est pour cette raison que je l'ai fait venir hier, parce que j'étais inquiet. Et parce que nous avons découvert un nouveau traitement qui pourrait bien être efficace. Faut essayer. Vous voulez dire qu'elle était là hier? Oui, tout l'après-midi. Écoutez, il faut avoir conscience qu'elle a besoin de vous. Faites-lui savoir qu'elle peut compter sur vous. Elle le sait très bien. Elle le sait que je suis toujours là pour elle. Non. Si elle le savait, elle vous aurait parlé de son problème. Je lui ai conseillé depuis le début de vous en parler, mais elle a toujours dit non. Je pense qu'en fait, elle avait peur de vous décevoir. Alors, elle a préféré ne rien dire et souffrir seule. Je ne veux pas vous contrarier, mais d'après toutes les choses qu'elle m'a racontées, il est possible que son escapade du week-end ait quelque chose à voir avec ça. Alors je vous conseillerais de traiter ce sujet avec le plus de tact et de délicatesse possible. La brusquer maintenant risquerait de la pousser à bout.
Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a demandé de quitter la maison. Non, non, ce n'est pas toi, c'est sa femme qui l'a fichu dehors. Oui, mais c'est à cause de moi, Léo. Non, ce n'est pas ta faute, Natalia. Non, enfin, voyons, qui a décidé d'inventer un mensonge aussi stupide? C'est bien elle. Et elle n'a même pas pensé que son mari pourrait se rendre compte de tout ça. Qu'est-ce que je vais faire, Léo? J'ai besoin d'en parler à Véronica, mais je n'ai aucun moyen de la joindre. Eh bien, avoue tout à son mari, Natalia. Ça arrangerait très certainement les choses. Oh, je peux pas faire ça. Il faudrait aussi lui dire pour le cancer, pour son fils. Et lui dire qui je suis. Écoute, Natalia, soit tu le fais, soit tu t'en vas sans explication. C'est ce que je pense, voilà. Tu n'as pas d'autre choix. Dans un sens, je pense qu'il serait moins fâché d'apprendre la vérité que de continuer à croire ce qu'il croit. Oui, et en plus, tu serais enfin libérée. Enfin, pas de tout, en fait. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, je ne voulais pas t'en parler, mais après ce qui s'est passé hier, je crois que c'est mieux. Saul est venu ici. Saul est venu au bar hier soir? Oui, en fait, il est déjà venu il y a deux jours, il voulait te parler. Mais je lui avais dit de s'en aller et il est revenu hier soir. Et il avait l'air très inquiet, Natalia. Pourquoi? Il a dit qu'il y avait des types dangereux qui étaient à sa recherche et qui étaient certainement à la tienne aussi. Encore ce type, c'est toujours le même. C'est certainement avec lui que Saul fait ses affaires. Ouais, sauf qu'il correspond pas du tout à la personne qu'on cherche. Et si c'est pas lui, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre en qui il a toute confiance. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu Saul avec quelqu'un d'autre, et que si c'est le cas, il va falloir vite le trouver avant d'avoir des ennuis. Tu as raison, j'ai vérifié et en effet, 8 appels en absence de lui et 5 messages sur mon répondeur. Ah oui, Natalia, je te l'ai dit, il insistait vraiment pour te parler. Et je me dis que s'il y a vraiment des types qu'il recherche, c'est qu'il doit être impliqué dans un truc pas net, le trafic de drogue ou autre, j'en sais rien, moi. Oui, et il doit certainement avoir besoin d'argent pour payer toutes ses dettes. C'est pas moi qui lui manque, en fait. Attends, Natalia, c'est pas vrai, ça te fait encore quelque chose quand tu penses à lui. Enfin, j'ai pas un cœur de pierre. Saul a beaucoup compté pour moi. Enfin, Natalia, c'est pas sérieux. Tu oublies qu'il t'a laissé tomber sans te donner aucune raison il y a déjà plus d'un mois. Et toi, tu vas le pleurer encore combien de temps? Écoute, un homme qui fait passer son sale trafic avant sa copine ne mérite pas que l'on verse une larme pour lui. Mais vous êtes comme ça, vous, les filles. Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? On dirait que plus les hommes sont goujats avec vous, plus vous les aimez. Je ne l'aime plus. Tu es sûre? Répète un peu. Je ne l'aime plus, Leonardo, je n'aime plus Saul. Je l'ai enfin sorti de ma tête une bonne fois pour toutes. Bah voilà. Tu sais quoi? Je vais même pas perdre mon temps à écouter ces messages. Je vais faire comme si je les avais jamais eus. Et puis d'ailleurs, après tout, je m'en moque qu'il aille au diable. Ouais, ça me plaît, Natalia, ça me plaît. Il faut pas te laisser faire. Tu sais, c'est comme l'autre soir où tu as giflé ce type qui voulait te caresser les jambes. Est-ce que tu te souviens? Leonardo, merci. Merci, merci encore de m'avoir fait rire. Si tu savais à quel point j'en avais besoin. Non, Natalia, ne me remercie pas. Ça me fait plaisir de te faire rire avec tout ce que tu es en train de vivre. Bon, alors, dis-moi, quand est-ce que tu vas aller parler à ce Felipe? Dès ce soir, quand il rentrera de son travail. Alors ne t'étonne pas si tu me vois rentrer au Mexique plus tôt que prévu. Je suis vraiment navré pour tout à l'heure. Je me suis comporté comme un imbécile. Ne vous en faites pas, vous savez, dans mon travail, on est habitué à gérer des choses bien plus complexes qu'un mari jaloux. J'imagine. Vous pouvez m'appeler de jour comme de nuit, si besoin. À n'importe quelle heure. Le mariage est un engagement à plein temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pour ça que je suis tout le temps disponible pour un conseil, une question, juste le besoin de parler. Alors, si Véronica finit par m'avouer qu'elle a fait une rechute, comment est-ce que je dois réagir? Tout d'abord, ne surtout pas la critiquer ni la juger. Ensuite, on pourra en discuter ensemble, tout dépend de la gravité de sa rechute. Vous n'imaginez pas combien ça me rassure de savoir qu'elle ne sera plus seule. C'est avec la gestion de ce genre de situation que l'on teste son amour. Je sais.
Mon devoir est de tout faire pour l'aider. Et croyez-moi, je vais le faire. C'est bien. Ce que je constate, c'est que le rendez-vous imprévu de Felipe était plus important que moi. Non, non, ce n'est pas le cas, monsieur. Non, vraiment. Je vous en prie. Felipe... Felipe était impatient de vous recevoir. Mais malheureusement, ce rendez-vous de dernière minute a été impossible à décaler. Voilà tout. Quoi qu'il en soit, j'apprécierais énormément de pouvoir m'entretenir avec Felipe de la réception de ce soir. Il y a quelques points que j'aimerais éclaircir avec lui. Si vous voulez bien m'excuser un instant, je reviens. Là-bas. Vous savez qu'il est vraiment... Monsieur l'ambassadeur, un autre whisky. Oh. Merci. À votre service. Je l'ignore, non, je... Je suppose que toutes ces jolies jeunes femmes sont invitées à la réception, non? On a vu Felipe partir de bonne heure, mais personne ne sait où il est allé. Et Véronica ne sait pas non plus? Elle n'est pas à la maison et ne répond pas à son téléphone. J'ai eu Rosanna qui tente désespérément de le joindre, mais rien. Mais où est-ce qu'il est? J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, Antonio. Felipe n'est pas un homme à manquer ses rendez-vous, surtout s'ils sont aussi importants que celui-ci. J'espère qu'il lui est arrivé quelque chose, parce qu'il n'y a aucune excuse valable pour ce genre de retard. C'est incroyable. Julieta, va t'occuper un petit peu de l'ambassadeur. Tout à coup, il a besoin de... je ne sais quoi, pour ce soir. Et puis, il n'arrête pas de regarder les filles. Fais-lui visiter l'hôtel, ou autre chose, qu'importe, le temps que mon fils arrive. Soyez tranquille, je m'en occupe. Bien, fais au mieux. D'accord. Monsieur l'ambassadeur? Oh. Ah. Charlie? Frankie! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de travailler, mais je voulais te demander une petite faveur. Tu sais bien que tu peux toujours compter sur moi, ma chère Frankie. Il y a bien un gala d'organiser ce soir à l'hôtel. Oui, en l'honneur de l'ambassadeur Rocha. Je vois. Sais-tu qui fera le service? Bah, c'est moi. Oh, j'arrive pas à y croire. Oh, c'est un miracle. L'archange Saint-Michel s'est souvenu de moi. Je suis trop contente. Trop contente? Que je sois obligée de travailler deux fois plus pour le même prix, tu trouves que c'est un miracle? Non. Je te remercie. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, Charlie. C'est juste que... j'ai besoin de pouvoir aller à cette fête. Tu ne pourras pas. Il faudrait que tu sois serveuse. Ou... une invitée? Non. Non, mais t'es folle ou quoi? Et puis réfléchis. C'est un événement politique. C'est ennuyeux. C'est pas une soirée en boîte de nuit. Oui, je le sais, mais je sais aussi qu'il y aura l'ambassadeur Rocha, dont la famille a créé l'école du même nom et où Monica voudrait étudier. L'ambassadeur est la seule personne qui puisse m'aider. Allez, il pourrait me faire une lettre de recommandation. Cécilia. Madame Véronica, justement, j'ai besoin de vous. Je voulais savoir si ce que je suis en train de ranger vous convient. Je suis sûre que oui. À part la valise, vous aurez besoin d'autre chose? D'un miracle. Voilà ce qu'il me faut. Un miracle. Charlie,
C'est vraiment l'intervention divine qui me donne cette chance de rencontrer l'ambassadeur Rocha aujourd'hui à l'hôtel. Écoute, appelle ça une intervention divine, un miracle ou tout ce que tu veux, mais moi, ça me paraît un peu dangereux. Dangereux? Pourquoi? Bah, parce que c'est une réception en l'honneur de quelqu'un de très important et je ne suis pas sûr que... Tu ne te feras pas remarquer par Monsieur Antonio, Monsieur Philippe ou quelqu'un d'autre. Non. Même si tu es en tenue de travail, je suis certain qu'ils te reconnaîtront. Ah, tu crois vraiment qu'ils connaissent le visage d'une petite employée? Et si c'est le cas? Ah. Franky, s'ils te reconnaissent, tu seras renvoyé, sans plus d'explications. Mais je ne pense pas qu'ils puissent vraiment me reconnaître, tu sais. Monsieur Antonio fait la tournée des employés une fois par mois. Madame Julieta, elle ne s'occupera absolument pas des serveuses et ne sait même pas qui je suis. Et Monsieur Felipe? Monsieur Felipe ne connaît pas du tout ses employés. Par exemple, toi. C'est toi qui lui sers à manger tous les jours au restaurant. Et il ne connaît même pas ton nom. Oui, ça, c'est vrai. Et Monsieur Claudio? Lui, si. Non, c'est bon. Parce que si cette réception est aussi importante que Manuel le dit, je suis sûre que Claudio ne sera pas invité. En réalité, la seule personne qui pourrait me reconnaître, c'est Veronica. Mais bon, tu sais bien qu'elle n'aime pas ce genre d'événements. Encore moins quand ils sont politiques. Ça, oui, c'est vrai. T'as raison. Elle ne raffole pas de ce genre de réunion. Charlie, s'il te plaît, allez, fais ça pour moi. Oui, mais... C'est ma seule et unique chance de pouvoir aider ma fille à enfin réaliser son rêve. Je t'en supplie, allez. C'est une idée de fou. C'est de la folie, je te dis. Allez. Felipe. Je voudrais te parler, je... J'en en ai pas pour longtemps, mais c'est très important. Véronica, je dois aussi... Non, Felipe, non. J'ai vraiment besoin que tu m'écoutes. Et que tu me laisses tout te dire. D'accord? Je t'ai menti, Felipe. Je suis bien allée au chalet d'Altamar, mais pas pour rejoindre un homme comme tu le crois. Je n'y suis pas non plus allée pour réfléchir. Il y a tellement de choses dont tu ignores tout, parce que j'ai si peur de la façon dont tu réagiras. Je suis tellement fatiguée de toute cette comédie, Felipe, je ne peux plus continuer. J'ai tout fait pour masquer la vérité, pour préserver les apparences. Agir de la façon la plus normale possible, mais je n'ai pas réussi et voilà ce qui arrive. Tu me demandes de m'en aller d'ici. J'ai fini par comprendre que la meilleure chose à faire pour sauver notre mariage était de te dire la vérité. C'est pour cela qu'il faut que tu m'écoutes et que tu me laisses tout expliquer. Il faut que je te dise pour quelle raison j'ai été aussi distante et froide avec toi, mais ce n'est pas à cause d'un autre homme, je te le jure. Je ne suis pas... Véronica. Véronica, pourquoi ne m'as-tu pas dit ce qui se passait réellement? Pourquoi? Je suis au courant de tout. Comment ça? Comment ça? Tu sais tout, Felipe? Qu'est-ce que... Felipe, c'est impossible. Comment tu peux le savoir? Si, c'est possible. Le docteur m'a tout dit. Je suis allé le voir pensant que c'était avec lui que tu couchais. Et j'ai appris ce qui se passait réellement, Véronica. J'ai compris beaucoup de choses. Beaucoup. Si nous allions nous promener pour en discuter. Natalia, je dois absolument te parler. Rappelle-moi, je t'en prie. C'est une question de vie ou de mort. Où t'es ?
Mais enfin, pourquoi avais-tu si peur de me le dire? Parce que j'avais peur de te décevoir. Véronica, depuis quand prends-tu des tranquillisants? Je m'en souviens même pas. Depuis longtemps, c'est quand je me sens trop tendue. Felipe, les choses n'allaient pas très bien entre nous ces derniers temps. Nous vivions nos vies chacun de notre côté. Tu avais des tas de soucis au travail avec tes enfants, tandis que moi, j'avais pas grand-chose à faire. Les jours se succédaient et se ressemblaient tous. C'était très dur à vivre. J'ai senti que tu devenais froide envers moi, mais je ne savais pas comment réagir. Felipe, je reconnais volontiers mes erreurs, mais nous en avons fait tous les deux. Si l'on veut sauver un mariage, il faut être deux. Et tellement de choses se sont passées dans ma vie cette année. Quelles choses ? Des fantômes du passé qui ont ressurgi sans prévenir. De ton enfance ? Et aussi de ma vie. De ma vie avant toi. Une vie totalement différente de celle que tu m'offres. Pourquoi es-tu allée au chalet Véronica? Pour en prendre? Tu sais que tu peux me faire confiance. J'ai parlé avec le réceptionniste d'Altamar. Il m'a dit que tu l'avais réservé depuis 2 semaines. J'y suis allée pour me désintoxiquer. Car j'avais rechuté et j'ai voulu tenter de gérer ça toute seule. Je ne voulais surtout pas que quelqu'un puisse me voir dans cet état. Et encore moins toi. Oui, monsieur Antonio. Felipe est à la maison. Mais en fait... Je ne veux rien savoir. Passez-le-moi immédiatement. C'est délicat, monsieur. Le problème, c'est qu'il est très occupé avec madame Véronica. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'ils sont enfermés dans une chambre ou quelque chose comme ça? Non, monsieur. Ils sont en pleine discussion. Et donc, j'ai l'impression que ce n'est pas le bon moment. Je m'en fiche. Allez le voir tout de suite. Dites-lui qu'il doit me rappeler immédiatement. C'est entendu? C'est la meilleure, celle-là. Pas le bon moment. Non, mais... Pardonne-moi d'avoir agi de cette façon. Comme un homme jaloux. Irascible et... ridicule. Et toi, pardonne-moi de ne pas t'avoir tout dit avant. Non. Si tu ne l'as pas fait, c'est que je ne t'en ai pas laissé l'occasion. Et pour cela aussi, je te demande de me pardonner. Ah. Mais si on continue comme ça, on va se demander pardon toute la journée. Véronica, ne t'en va pas. Je t'en prie. Monsieur Felipe. Oui. Monsieur Felipe, veuillez m'excuser, monsieur Felipe. Je me permets de vous déranger car monsieur Antonio a appelé. Il veut absolument vous parler. Il demande que vous le rappeliez au plus vite. Excusez-moi, je vous laisse. La dernière chose dont j'ai envie, c'est de partir, mais là, vraiment, j'ai pas le choix. Mais... il y a une grande réception ce soir à l'hôtel. Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? Avec plaisir. Écoute, Natalia. Si tu suis bien mes instructions à la lettre, je suis sûre qu'il n'y aura aucun problème. Parle seulement quand c'est nécessaire, et sors seulement quand c'est nécessaire, et voilà. Après réflexion, je crois qu'il serait préférable que je reste là. C'est sans doute mieux comme ça. Ça me ferait plaisir que tu viennes avec moi, s'il te plaît. Tu pourrais aller t'acheter une nouvelle robe. Ou alors, mettre ta robe rouge, celle que j'aime tant. Tu vois laquelle ? Oui. Bien. Merci de m'avoir ouvert ton cœur comme jamais et de me faire confiance. Oui. Merci, Véronica. Hay amores que respiran, hay amores que parece que no vuelven.
Son amores que devuelven sentimientos, que no teme que el viento se los diga. Ay, dime quién eres tú, luz de mi vida. ¿Quién eres tú? I really love you. Rosanna, j'arrive tout de suite. Natalia, je suis désolé d'avoir agi comme je l'ai fait. Mais je dois absolument te parler. Natalia, Natalia, tu dois me croire. Rappelle-moi, je t'en prie, c'est une question de vie ou de mort, mais où t'es? Écoute, y a vraiment des sales types qui sont à ma recherche, je suis inquiet. Je voulais surtout pas que tu sois mêlé à tout ça, je t'assure. Mais il faut que tu te rappelles, tu as quelque chose de très précieux qui... Mais s'il te plaît, n'appelle pas sur mon portable. Je préfère être prudent. Je change tout le temps d'endroit. Rappelle-moi ce numéro. C'est celui d'une cabine. C'est le 2338 1030. J'y resterai de 15 à 17 heures. Si tu m'appelles pas, je te rappellerai plus tard. Au revoir. Gabi, je sais pas comment je vais faire, parce que moi j'ai rien compris au cours. Avec plus de travail, tu y arriveras. Peut-être, mais j'ai besoin de ton aide, sinon j'arriverai pas. Salut Lucas. Qu'est-ce que tu veux? Avec toi, rien du tout, juste que tu disparaisses. On va au San Sebastian tout à l'heure avec des copains, écouter des groupes et boire quelques bières. Ça te dirait de venir? Ça a l'air super cool. Mais ça va être super cool. Allez, viens, je te promets qu'on va bien s'amuser. Ah, oh, mais c'est que... Je devais réviser avec Gabriella. Réviser? Gabriella révise parce qu'elle a pas de vie, mais toi... Laura, c'est bon, on y va? Si on veut réussir le contrôle de demain, il faut qu'on travaille. C'est vrai, Lucas, je dois travailler. Je suis pas super douée dans cette matière. Mais c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Quel dommage, mon Lucas. On dirait que tu viens de perdre un pari et que je viens de me faire 300 dollars, non? C'est ce qu'on va voir! Oh, de quelle robe parle-t-il? Laquelle? Trois rouges. Oh. Comment savoir quelle est celle que je dois porter? Oh. Ou alors, mettre ta robe rouge, celle que j'aime tant. Bon, mieux vaut ne prendre aucun risque. Voilà. Non. Sol, rappelle-moi dès que tu auras... Je suis désolé d'avoir agi comme ça avec ouais, toi. Ouais, c'est ça, bien sûr. C'est sûr, tu te sens plus désolé. Eh ben moi, je le suis encore plus de t'avoir cru en douille. Natalia, tu dois me croire. Rappelle-moi, je t'en prie. C'est une question de vie ou de mort. Mais où t'es? Écoute, y a vraiment des sales types qui sont à ma recherche. Je suis inquiet. Je voulais surtout pas que tu sois mêlé à tout ça, je t'assure. Mais il faut que tu me rappelles, t'as quelque chose de très précieux, de très important. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Mais s'il te plaît, n'appelle pas mon portable. Je dois être prudent, je change tout le temps d'endroit. Rappelle-moi ce numéro, c'est celui d'une cabine. C'est le 2338 1030. J'y resterai de 15 à 17 heures. Je t'appelle pas, je te rappellerai plus tard. Je te rappellerai pour te donner des instructions. Te dire ce qu'il faut faire. Mais je t'en prie, rappelle-moi. Au revoir. Dans quel pétrin m'as-tu mis, Saul? Dans lequel? Ah!
n'imagines pas tout ce que j'ai dû inventer pour distraire l'ambassadeur Rocha. Il était très vexé que tu n'aies pas été présent pour l'accueillir à l'hôtel. Mais si je ne m'abuse, mon père y était, lui. Oui, bien sûr, mais il insistait vraiment pour te parler à toi, pour régler certains détails de la réception de ce soir. Et tu étais là, toi aussi. Je veux dire, c'est aussi ton travail, non ? Felipe, nous étions tous très inquiets pour toi. Tu ne répondais pas au téléphone, personne ne savait où tu étais. On en arrivait à se demander s'il ne t'était pas arrivé quelque chose de grave. Vous vous êtes inquiété pour rien. Felipe, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais que tu peux compter sur moi si ça ne va pas. Tout va bien, Julieta. J'avais juste un problème d'ordre privé à régler. Voilà tout. Oh, d'accord. D'accord. J'aurais besoin que tu signes le document finalisant les derniers points concernant la réception de ce soir. Merci. Rosanna, pouvez-vous prévenir mon père que je suis là ? Felipe, votre père vous attend dans votre bureau. Parfait. Julieta a dû improviser une visite de tout l'hôtel. Qu'est-ce qui t'a pris enfin, Felipe ? J'avais des affaires personnelles à régler, qui nécessitaient toute mon attention. Sache qu'aujourd'hui, toute ton attention aurait dû être accordée à l'ambassadeur Rocha, et à rien d'autre. L'ambassadeur souhaite te parler au sujet de la réception de ce soir. Tout est déjà en ordre pour ce soir, papa. L'ambassadeur sera comblé, sois rassuré, et il oubliera très vite que je n'étais pas là pour l'accueillir. Mais pour l'instant, si ça ne t'ennuie pas, j'ai encore du travail. Je veux mettre une chose au clair, Felipe. Tes histoires et problèmes personnels sont en train de faire du tort à ton travail et c'est très grave. Ce qu'il serait que mes problèmes personnels m'importent moins que mon travail. Alors qu'ils doivent être ma priorité. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Je devine quel est le problème. Je vois. Voici maintenant que ta petite chérie exige que tu lui accordes plus de temps. Juste ce qu'il nous faut en ce moment. Cette petite chérie, c'est mon épouse. Et je te saurai gré la prochaine fois que tu parleras d'elle, de le faire avec plus de respect. Je te demande de m'en accorder à moi aussi. Excusez-moi. J'ai mal choisi mon moment, je crois. Non, pas du tout. Mon père allait s'en aller. Nous nous verrons ce soir. Bonjour, Ivan. Antonio. Wow. Alors, dis-moi, ce qui vient de se passer, c'est une dispute entre le président et le vice-président, ou entre un père et son fils ? Les deux. C'est le problème, parce que nous ne pouvons pas séparer les deux relations. J'ai besoin d'aller boire un verre. Tu m'accompagnes ? Oui, bien sûr, mais tu n'as pas été là de la matinée. Ton assistante m'a dit que tu étais introuvable, alors je me dis que... Ivan, s'il te plaît. Alors disons que c'est moi qui t'invite, ok ? Ça te va ? Rosanna, s'il y a quoi que ce soit d'urgent, appelez-moi sur mon portable. Vous sortez, Felipe ? Oui, Rosanna, je sors. Est-ce que ça vous dérange ? Non, monsieur, je ne faisais que demander. Non, mais... qu'est-ce qui lui arrive ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais je suis sûre que ça a à voir avec cette cruche de Véronica. Cette fille ne sait rien faire d'autre que lui gâcher la vie. Respire profondément. Nous devons revoir cette liste, tu veux bien ? Oui. Tomber amoureuse de lui, Natalia, t'es folle. Oh, tu ne peux pas. Y dime quién eres tú.